Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre formation. Sur cette vidéo, on va voir un petit astuce sympa. Donc, on peut renommer notre Wi-Fi avec des émoticônes. Comme vous voyez ici sur mon PC, j'ai une petite émoticône que je viens de faire sur le nom de mon réseau Wi-Fi. Donc, on va voir comment on peut procéder à ça. Donc, on voit ici, je viens d'ajouter l'émoticône. Donc, je suis en train de partager le Wi-Fi à partir de mon téléphone mobile. Donc, cette astuce, vous pouvez l'appliquer même sur un routeur, sur les routeurs récents, bien sûr. Donc, tout d'abord, on va voir sur le téléphone. Donc, je vais sur paramètres et après réseau et partage et après point d'accès Wi-Fi. Donc vous voyez ici, je peux cliquer sur le nom du réseau et je peux choisir ou bien je peux insérer d'autres icônes. Donc je clique sur le clavier et mon icône et je peux choisir d'autres. Je peux insérer plusieurs si je veux. Et je valide par OK pour enregistrer le nom. Après une seconde presque, le réseau sera déjà actif avec les icônes que je viens d'insérer. Après, je vais revenir sur l'ordinateur, donc pour tester la nouvelle nomination. Donc, vous voyez, toutes les icônes que je viens d'insérer sont appliquées sur le nom de mon réseau. Je me connecte, je mets le mot de passe, tout simplement. Et après, je valide. Donc, comme vous voyez, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez même mettre des émoticônes et vous pouvez vous connecter normalement, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.